Bienvenue sur cet épisode numéro 5 sur Outlast 2. Et enfin, nous allons continuer cette aventure horrifique. Ce coup-ci, non dans les champs, mais dans les mines. Et pas dans n'importe quelle mine, mais celle des hérétiques. Ne perdons pas un instant, plongeons-nous dans la suite de l'histoire. La dernière fois, on s'était arrêté lorsque nous avions fait du bateau. On a fait plein de petits bateaux pour aller jusqu'à ces mines. On avait a priori peut-être compris d'où venait cette lumière. D'une espèce de grande bâtisse. Comme une espèce d'entreprise. Attendez, je vais baisser un peu le son parce que genre, je vais m'en dessous. Une espèce d'entreprise. Et on avait eu des petites visions du style dans mon passé. Dans mes souvenirs où la petite Jessica est morte, suicidée. Un arbre avec une croix chrétienne qui scintille et qui fait mal à tous ces démonistes et hérétiques. Donc nous verrons bien. Tac. Ok. Alors, petit topo en début d'épisode. Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Trois piles. Super. Trois bandages. On pouvait pas rêver mieux. Ouh là là, la pile. Allez, quatrième pile. Parfait. Allez, c'est parti. Oh merde. Les tremblements de terre. J'espère que la mine va pas s'écrouler sur ma tête. Mais vu la chance qu'on va avoir, à mon avis, faut s'attendre au pire. Oula. Ça a l'air d'être du hérétique, non? Ce avec l'espèce de petit chapeau sur la tête en forme de brindille, non? Et pour le moment, on n'a pas encore vu de spéciaux hérétiques. Quand j'avais spéciaux, c'est d'arriver. Les petits boss, ou putain. Ça commence. Alors le jeu voudrait que je parte à droite, vu qu'apparemment c'est dans la gauche qu'il est parti, le hérétique. Ah, ça pue les gars. Allez, comme toute personne rationnelle, on va partir dans le sens inverse. Oh mon dieu! Lynn! Ah, c'est Lynn ça! Mais elle est partout cette Lynn! Et là, on doit passer sous la flotte. Attendez. On va aller fouiller en arrière. Lynn! En fait, c'est deux chemins différents. Allez, on choisit ce chemin-là. Une lettre. Chapitre 11. Le fruit de la destruction doit mûrir dans les entrailles fétides de la mère martyre. L'agneau aux yeux d'araignée apportera le jugement de la moindre putain envers la grande putain qui réside au bord des océans. Car l'ennemi sera né de la nation d'Ézéchiel pour qu'elle leur paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Ils agissent ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Et Ézéchiel dit à ses sages-femmes et ses chasseurs, vous êtes le corbeau et je suis le loup. Qui vous permettra de vous nourrir si vous me menez au carnage.
car Dieu dit que la chair des bêtes doit uniquement être sacrifiée pour lui, jusqu'à la chair de ta progéniture. Ok. Et apparemment, c'est tout un cul-de-sac. Bon, mais parfait. Comme quoi, parfois, du côté où vous n'avez pas vraiment envie d'y aller, c'est souvent là où il y a les bonus, mais pas pour autant la suite de l'histoire. Allez. Ok. Sur les gardes. Rien du tout par là. Oula. Apparemment, les hérétiques, c'est plus. C'est pas vraiment des petits boss, c'est plus des leurs semblables qui me traquent en fait. Hein. Un peu comme au début avec la population. Avec la population démonique. Juste désorienté. Ah, c'est le pasteur ça. Dans ma tête, hein, dans mes souvenirs, celui de du lycée. Oh merde! Est-ce que je pourrais penser que cette espèce de mec, c'est la créature, et c'est celui-ci qui a peut-être tué... je la vois d'une forme démoniaque, mais c'est peut-être celui qui a tué en fait Jessica, qui l'a forcé à se pendre. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a pu comprendre, c'est que cet homme, il est vénère contre moi et Jessica, et il est toujours représenté apparemment par cette créature. Donc est-ce qu'il est... Putain, ces mines sont vraiment instables. À gauche, donc on va se fermer maintenant. Putain, on était juste devant la sortie, quoi. Putain, on est obligé de faire le... Ah, c'est là-haut. Hérétique. Merde, la pique qui se fatigue. Apparemment, c'est pas par là. Ah, il y avait un autre chemin à droite aussi. Parfait. Bon, on reste plus que 3 piles. Écoutez, on a encore de la marge. Merde! Ok. Parfait. Ils ont vécu ici. Non, pas vécu. Je devais trouver Lynn. J'espérais ne pas l'avoir fait. Mouais. Ah, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez laissé des piles au coin du feu pour moi ou pas? Non? Bon, c'est pas grave, je vous aime quand même. Allez. Après tous les piles, il faudra les trouver dans mon espèce de passé. Oula, apparemment c'est là, d'après les traces de sang. Mais curieux que je suis. Y'a rien. Ok. Oh putain. Se mettre à quatre pattes. Nom de Dieu. Ouais. Allez. Allez. Ok. Ah. Salut toi. Tu t'es perdu? Regardez furtivement. Ça y était pas dans Class 1. Avant, tu montais et tu bouffais ce qu'il y avait au-dessus dans ta gueule, quoi. Il n'y avait pas de pitié. Ok. Se cacher. La musique qui s'excite. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète à ça?
Non, je pense pas. Pas tout de suite. Le jeu est pas souvent sadique comme ça. Il aime bien vous faire poireauter. Vous faire attendre dans ce monde. Déverrouillé. Je sais pas si c'est une très bonne chose. Je sais pas ce qu'il y avait. En tout cas, le boom. Non, ça va. Il devait y avoir sûrement un truc, j'ai pas dû faire gaffe. On va d'abord partir à droite. Parce qu'on aurait pu louper cette magnifique petite pile. Hérétique. Là, attendez. Hop. La porte est toujours bien fermée, hein. Et on peut se cacher apparemment là. Ah, c'est angoissant pour rien. Pourquoi le jeu s'angoisse comme ça tout seul? Et la musique, c'est vrai que excite, apparemment, quand je vais par là-bas. Et là... Non, c'est toujours autant excité. Et puis je m'approche de cette porte, puis ça s'excite. Bon, on va vérifier par nous-mêmes, les gars. On a pas le choix. J'ai envie de fermer la porte derrière moi, mais... Il y a une autre porte là. Évidemment. Ah, j'aime pas cette musique angoissante, là. Il me faut les boules. On a plus que deux piles, là, non? Trouver Lynn. Non, trois. Y a que ça qui compte. Non, non, on est vachement large en fait. Tout va bien. Ah oui. Je pense que c'est par là la suite. Ouais, c'est du bonus. J'ai pas confiance. Allons d'abord par là. Oh là là, il y a des chemins partout, les gars. On va d'abord aller vraiment là, en fait. On va peut-être louper des choses, hein, on sait pas. C'est possible, hein. Mais il y a pas mal de chemins. Mais liquidons d'abord les chemins qui sont le plus près de moi. Et ensuite, on ira vérifier. Mais apparemment, ça fait un peu le grand tour. Mais il y a pas mal de choses pour se cacher, hein. A mon avis, on va devoir s'amuser dans ces couloirs. Est-ce que là-bas, c'est la porte? Ouais, c'est la porte. Ok. Donc là, ça rejoignait. Les chemins qui se rejoignent comme ça. Encore avec plein de choses pour se cacher. Est-ce que c'est cette musique qui veut dire, en fait, qu'il y a déjà quelque chose qui se... Non, regardez-moi ça. Là, c'est ouvert, là, c'est... C'est angoissant, les gars. A mon avis, forte chance qu'on va revenir par là. On sait qu'il y a le verrou. A mon avis, c'est dès que je vais passer par là. Et en face... Ah ! Oh ! Oh, les boules qui m'abissent, enculé. C'est terrible. Oh, putain. Saloperie, quoi. Sauf que là, il va instant tuer, quoi. Oh la vache, j'ai eu les boules, là. Oh. Allez, on reprend les piles. Ouais, enfoiré, ouais. Va te cacher derrière ta porte. Quelle merde, alors. Ok, là, en fait, c'était ça, le boom. Et là, il va sa porte à gauche. Et ça, on l'avait pas fait gaffe tout à l'heure. Ouais. D'où pourquoi il faut pas aller ouvrir la porte, quoi. Donc là, à droite, ok. La porte qui n'était pas verrouillée, lui, il m'attend derrière ça.
On va laisser la porte ouverte. Ça va sûrement magro là, non? Les hérétiques, ils sont quand même bien angoissants. Salut! Je suis sûr qu'ils se baladent pas là. Je peux finir de filmer? Apparemment non! Aïe! Ah! Oh la vache, il va vite! C'est pas une porte! Tu continues de me suivre, fumier? Ah putain, je... Ils sont partout! Non, mais les gars, c'est complètement chaud là! Ils sont partout, ces connasses! Ah, j'aurais dû me planquer tout de suite en fait! Aïe! Ah, c'est fini, les gars! Oh l'enculé! Il m'attaque à plusieurs! Et ils évitent les passages par les portes! Non, pas tout de suite! Je suis pas prêt! Aïe! Ah, mais ça va. Je me fais violer tout de suite! Un bon choix, les gars. Ça m'a laissé un petit moment de répit quand même. Il y a moyen qu'ils sont plusieurs en fait. Là, ils sont deux. Hein. C'est chaud, les gars. Trouvez Lynn. Ouais, on sait ça. Il y a que ça qui compte. Pas le choix, il faut que je passe. Putain, en plus, il prend bien son temps pour aller s'enquiller là dans son mur. Pas le temps de te faire avoir, quoi. Et en plus, ça court vachement vite, hein. Ils sont là. Faut économiser mes piles aussi. Et ça rentre. Putain, ça va être dans le couloir, ça qui fait chier. Si je passe par la porte, il y a l'autre qui me bloque le chemin. Et là, je peux plus fuir parce qu'il y a l'autre qui est dans l'ancienne porte. Le seul endroit où je peux me cacher. Et après, la seule façon que je peux m'en sortir, c'est soit revenir tout en arrière, mais complètement en arrière. On va perdre trop de temps en fait. Et le truc à filmer, c'est trop chaud quoi. Il faudrait limite que j'ai le temps de filmer toute la longueur sans qu'il vienne magro. Peut-être qu'on va manquer ce passage. Hein. Ça va être tendu. Hein. Surtout qu'il prend bien sa vie pour le filmer, cet enfoiré. Enfin, apparemment, il s'en bat les couilles. Non, 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 il va sauter du face à moi, non? Oh, il est là. Il m'attend, là. Ouais, tu m'as loupé, salopard. On va devoir rusher, les gars. On n'a pas le choix, on va se faire poursuivre. On va recharger la pile ici, non? Ok. On fait le point. Trois piles.
Ouais, c'est vrai qu'on a, vu qu'on est mort, on a rechargé nos anciennes piles. Apparemment, il... Ah, mais lui, il est juste là, quoi. On se retourne et on court, les gars. Il y aura peut-être moyen de filmer. On court pas. On fait tranquillement. Si on a moyen de filmer ça. Allez, 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 allez. Je traîne pas là, moi. C'est vraiment pour le reportage, ça, putain. Et on va le rater tout de suite. Comme ça, c'est fait. Décoré avec les morts. Je regardais ces visages à la recherche de Lynn. À la recherche des miens. Pour Jessica. Tout ça pour ça? Pour Jessica qui est morte? Qu'est-ce qui me fait chier, quoi? Elle est morte. Faut pas que je crève, là. Merde, c'est par là, il faut que j'aille. Ah, j'ai compris le délire. J'ose même pas aller au fond, ce qu'il y a là-bas, quoi. On s'en tape. Allez, quoique, on est fous, les gars, on tente le risque. Pour le dieu du risque. Putain, mais quelle belle conne, mais quelle belle connerie. Non, je vais mourir, les gars, c'est une mort, ça. J'ai pas confiance. Tant pis, hein, s'il y avait un message, des piles, c'est cool, les gars, mais... si une mort instantanée, c'est le guac. Un petit peu encore. Voilà. On est pas mal comme ça. J'y crois pas que je suis obligé de faire ça, bordel. Allez. Si tu as fait quelque chose, je veux que tu me le dises. Je vais te baiser. Espèce de vieux pasteur sain. Oh non, c'est lui. C'est le pasteur sadique, à droite. Non, c'est bon. Il veut que je vais à droite, mais... Ah, c'était pas une porte, en fait. Une lettre. Chapitre 14. Et dans les moments qui précèdent sa naissance, l'Antichrist se réveilla dans les entrailles de sa mère. Et son malheureux et la misère saigneront et corrompront la terre. Jésus-Christ de Nazareth a détrôné la mort pour la gloire de Dieu. L'Antichrist de Temple Gate placera les sombres cavaliers sur leur trône, à moins d'être assassiné dans son berceau sanglant. Mais Ézéchiel jugera l'agneau aux yeux d'araignée et à naître dans les lames et par le feu, et les justes proclameront un Alléluia. Et vous verrez le ciel s'ouvrir et rejoindre la terre. Et Ézéchiel montera sur un cheval blanc. Ses yeux flamboieront comme une flamme. Et sa tête sera couronnée de tous les diadèmes de la terre. Et il prend un nouveau nom, comme le dit la parole de Dieu. Car il doit être revêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et son nouveau nom ne sera connu que de lui-même. Et les anges sont les charognards qui se régalent de la chair des rois, la chair des mères, la chair des puissants, la chair des chevaux,
et de ceux qui les montent. La chair des hommes libres et des esclaves. Et s'ils se nourrissent de la chair de ces enfants maudits, le ciel sera à vous. Mais si cet enfant naît, si les yeux de l'Antichrist accueillent la lumière du monde, ils avaleront la lumière du monde entier. Et la mort régnera à nouveau. Et d'interminables souffrances répenseront ouais, ceux qui complaisent ouais, dans la souffrance. Et un regret sans fin torturera les justes avec tous les regrets incurables du péché et de la honte. Ok. Vraiment, les deux, ils sont complètement malades. D'un côté, t'en as un qui veut la fin du monde. La fin du monde, la misère. Et de l'autre, t'as ceux qui veulent continuer leurs paroles, les démonistes, quoi. Salut! Oh merde, vite, 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 vite! Ça s'écroule, je vais finir comme monsieur. Et comme monsieur aussi là. Qu'est-ce que c'est? Un démoniste? Merde! Vite, 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 ça va m'écraser ça! Je sais pas si j'ai un temps. Ok. Un bandage. Parfait. De toute façon, ça va finir par s'écrouler. Hein. Faut pas se leurrer. C'est qu'une question de temps. Là, cet enfoiré. Espèce de créature. Ce que vous touchez, petite main. Gare à tout ce que tu dis, petite bouche. Gare à tout ce que tu dis. Je sais pas ce qu'il a fait à la petite, mais. Car le père est tout là-haut. Je sais pas dans ma tête qu'il est pas juste là. Gare à tout ce que tu dis, petite bouche. Non, c'est pas un monstre qui est là, lui. Il est censé peut-être me buter dans le scénar du passé, mais là. Quand tu passes, c'est vraiment des souvenirs ou dans mon propre délire. Bien. Salut. Il est moche. Hein. Je pouvais déjà les entendre. Je savais pas si c'était réel. J'ai vu le squelette du fœtus au fond de sa cage thoracique. Sale. Très très sale. Ah oui, putain. Oh merde. Ah c'est chaud quand même. Hein. Ah oui, c'est quand même de gros putains de malades, hein. Y'a rien à dire. Hein. Ils ont... Oh merde... Quand c'est hérétique... J'espère que tout va s'écrouler sur leur gueule. Ça me ferait un grand plaisir. Oh putain... La salle de merde... Je suis vraiment obligé de descendre là. Putain, déjà je vais m'écraser. Saloperie! Je vais prendre le bal! Qu'est-ce que vous avez fait, Aline? Où est-elle? La val. Nous sommes des créatures d'appétit. Je veux sentir ta faim. Je veux voir ton vrai visage. Ta semence va brûler ce monde. Où est Aline? Brûle,
me réjouis de notre Seigneur enfant, nu, qui ne cache rien. Je retire ce masque. Espèce de taré ! Je montre mon vrai visage. Montre-moi. Montre-moi ton vrai visage. Vite ! On va faire ce qu'il faut. Vite, 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 vite ! Avant que le Val me chope ! C'est elle la boss, putain ! Ça, ça pue. Allez, ah merde ! Non, c'est un cul-de-sac ! Ok. J'ai rien fait, ça la fait automatiquement. Ok, sauvegarde. Il est venu, le fruit de ta luxure, ton enfant, ton père, le Christ que nous méritons. Ok. Regarde. Une pile. Je sais même pas où il faut aller. Elle arrive, non? C'est pas dans cette salle qu'il faut que j'aille? Oh putain. Il faut ressortir. Tourner à droite, je pense. Interagir. Non, je sais ce qu'il faut faire. Vite. Ok. Bon, comme ça, elle pourra plus jamais venir. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Sous la table? Non, mais ça va pas l'arrêter, hein. Le Val, y'a rien qui va l'arrêter, là. Mais vite, en plus, j'ai plus une tonne de piles, hein. Trouvez Lynn. J'en ai deux. Y'a que ça. Attends, qui deux compte. C'est une blague. Je me suis fait shipper une pile entre-temps. Il fait trop sombre, hein. Bon, allez, je sors de là, hein. C'est bien gentil, mais... Oula, la pile qui commence à s'énerver. Mais elle doit se balader dans la zone, hein. J'espère qu'il n'y a pas ses amis et ses enfants hérétiques dans le lot. On va recharger la pile. Bon, au moment où je vais en avoir le plus besoin, ça va arriver. À mon avis, ça c'est l'ennemi qui se balade. Hein. Je passe l'oreiller. Et toi, qu'elle casse la porte, je peux lui... Ça se balade, les gars. Je suis pas conscience tranquille, hein. Oh, putain que non. Dans le son, y a rien. Je voulais pas combattre le Val. Vraiment. Vous êtes une folle qui pour le... de la lumière. Qui est pour Satan, mais... Mais vraiment, hein... Je veux pas de problème. Seigneur, ces fils sont sous tension. Ah putain, c'est là qu'il faut que j'aille. Il y a leur putain d'électricité. Oh non, mais pourquoi, pourquoi? Ok, elle se balade avec une torche. Oh merde. J'aurais pu être plus discret que ça quand même. Oh, je l'ai trouvé sans le vouloir. Bon, après ça va, c'est pas compliqué à l'esquiver.
le retour va être terrible. J'espère juste qu'il n'y a pas ses enfants en fait. Je sais pas pourquoi je m'engouffre ici. Je devrais simplement revenir en arrière. Ça pue ça, non? Voilà. Bitches. Ouais, maintenant il faut revenir quoi. Ça a pas l'air d'être si compliqué que ça pour le moment. Faut juste esquiver sa flamme. Non, non, je veux juste ouvrir ça. Faut pas qu'on se... Allez, vas-y, on la voit arriver à 10 km. Okay, j'espère qu'elle a pas un double combo. Ok, ça c'est la lumière du feu. Ok, on a eu beaucoup de chance. Ok, elle se tire. Enfin, à mon avis, c'est pas elle-même, ça doit être ses serviteurs. Mais merde, c'est coupé! C'est pas coupé, je veux dire. Pourquoi? Il y avait un autre interrupteur que j'ai pas vu. Oh non. Bon allez, c'est pas compliqué, on peut y retourner, mais fais chier maintenant, il y allait quoi. Oh merde. C'est le Val ou pas? Ah ouais, c'est le Val en personne qui me traque. Ok. Allez, on y retourne. Round 2, putain de merde. Là-bas, on n'est pas y allé, je crois. Hein. Ah putain, il y a encore l'électricité, là. Est-ce que c'était lui, le dernier? Lui qui met fin tout définitivement à l'électricité. Apparemment oui. Oh là là. C'est notre chance. Allez, vas-y, on y passe, on s'en bat les couilles. Allez, on y est presque. Ok. Ok, passage passé. Bon, il était pas terrible, hein, ça va. Elle était lente, elle avait sa lumière, vous voyez. On a connu pire jusqu'à présent, avec la faucheuse. Des démonistes. Oh putain, encore un compte wagon qu'il va falloir toucher. Soit. Bon, elle peut pas censée venir jusqu'ici, non? Là, il n'y a plus de flotte, hein, apparemment. Mais elle est super lente. Et ouais, il y a des choses pour se cacher, hein. Ça pue la bite. Hein. Voilà, ici quoi. Apparemment, c'est une ascenseur, c'est un ascenseur ça, non? Ah, oh, je sais pas. Je pense pas. Il nous reste combien de piles? Trouver Lynn. Une. Y a que ça qui compte. Bon, les gars, on va devoir se manier le cul là. Parce que je vais pas rester comme ça dans le noir absolu avec quelques lampes qui. Alors, il faut avancer. Oh, merde.
C'est pas prévu ça. Oh, ça va l'attirer ça. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu ne peux te cacher de secret. Ok, une pile, parfait. Et que dalle. Y'a que ça ici. Photo de ma gueule. Bon alors, est-ce que le wagon il doit... Est-ce que je pensais, est-ce qu'il doit péter le bois? À mon avis, il doit péter ce truc, hein. No pass. Oh putain, ouais. Ouais, il faut que je remonte et tout, quoi. Allez, vas-y. Faites-le. Voilà, parfait. Oh! Non, c'est bon. Oh putain, j'ai fait de la merde. Il est vraiment dans ma tête, cette espèce de pasteur à la con. Ah, mais apparemment, j'ai pas le droit de venir là. Hein. C'est marqué danger sur la pancarte. Ben c'était marqué. Oh putain, trop de chemin les gars. Moi qui étais pressé de changer d'environnement. Ah, je regrette. Alors on retourne en arrière. Ah putain le wagon. Merde alors. Je suis censé aller où là? En bas? Dis pas que c'est moi qu'il faut que je... Ah putain, ouais. Oh, oh la baise. Retourne dans les ténèbres. Oh, fais chier. Merde. Oh putain. Tant de souffrance, putain. Oh merde. Ok, c'est good. Ça c'est toujours le moment qui me fait plus flipper, c'est quand je tombe dans un endroit qu'il faut que je prenne ma caméra pour regarder tout autour de moi. Dans une espace. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Ouais Val, je sais, mais tu sais, moi je t'aime pas non plus. Hein. Je t'aime pas du tout même. Tu te mets de la terre sur toi et tu mets des espèces de... Oh, Madame Laval? Veuillez m'excuser. Je suis pas prêt psychologiquement à vous combattre. Fuite! Allez, 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 allez Laval! Allez, 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 allez! Rampe, rampe, rampe! Plus vite! Dépêche-toi, 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 et la pile, putain, la pile de merde. Elle me suit dans les tunnels, vite. Aïe. Mais genre. Mais je vais me faire crever, là, les gars. Je suis trop lent, là. Soigne-toi. Oh.
merde! Oh merde! Là-bas! Vite! Ah! C'est là-bas, la lumière! La lumière, la lumière, la lumière, la lumière! Le feu grégeois, le cul-de-sac! Le délicieux cul-de-sac! Là! Je vois rien, putain! Putain, je vois rien du tout, les gars, quoi! Une échelle! Maintenant! Grimpe! Grimpe! Ok! Ok, tout va bien. Apparemment, elle m'a pas suivi. Putain, je comprenais rien où je devais aller. Donc sans lumière, tu vois rien. Et avec la lumière, avec la vision nocturne, tu vois le feu et mais ça te spamme bien la bouche. Putain, elle est stressante cette valle là. En plus, elle me suivait dans les tunnels et tout quoi. Obscur. Oh merde. C'est le val ça? Elle est déjà en haut le val, pourtant elle m'avait pas suivi en bas. Tranche ça. Et moi, genre, il faut que je la rejoigne. Dis-moi, Val, est-ce que t'aimes les chutes? On lance les paris? Qui dit que je me fracasse la bouche? 90%, non? 90%. Non? Ouais, étrange. Vu la chance que j'avais, j'aurais pensé me tomber là. Allez! Et là, on arrive sur la plateforme où elle était. Peut-être qu'il y a des piles derrière. Vérifions. Ok. Ne partons pas dans la direction où elle était, ce serait complètement stupide. Et la pile qui commence à s'énerver. Oh merde. Ok, du bandage. Putain, une pile, non? Putain, pas une pile pour moi? Bah, après, ils me l'ont donné tout à l'heure, tu me diras. Bon, allez, pour le moment, on n'a pas besoin de ma caméra. Il nous reste combien de piles? Il nous en reste aucune. Y a que ça qui compte. Dernière pile, les gars. C'est la dernière DDR. Ça va être tendu, hein. Je pensais pas arriver à m'en donner à cette dèche de piles. Putain, ouais, sorry, on peut pas continuer dans le ce sombre là. Je suis obligé d'avancer plus vite, quoi. Même si je n'ai pas envie. Salut. Alors. Si tu m'en veux pas, ça va utiliser ma pile. Je vais le lire comme ça. Chapitre 15. Et Dieu prit la parole par la bouche d'Ézéchiel et ses oreilles saigneraient. Ses dents se brisent. Briseraient. Et sa semence coula de ses reins inspirés. Et ses paroles étaient le sang du Christ. Et c'est de ce sang est né un fleuve, et sa subsistance guérira la purpulence des arbres qui portaient les sept nations. Par le sang de l'agneau, l'agneau aux yeux d'araignée mourra jamais, et ceux qui resteront n'auront besoin d'aucune lumière, ni bougie, ni des flux de flammes électriques, car la vision sera une aube éternelle. Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, mais copie-les à la lettre durant chaque moment de ta vie, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes de celui du Père, et comme berger, je dis ceci, Dieu te le rendra. Que tu sois sale, que tu sois juste, que tu sois injuste, que tu sois habillé dans la honte ou la gloire, le jour venu, Dieu te baisera, et cela sera ta récompense. Nous sommes l'alpha et l'oméga, et Ézéchiel, le premier d'entre nous, et tu devras grimper à l'arbre de vie, ou y être crucifié. Seuls les élus de Dieu trouveront refuge au sein de Temple Gate, sans quoi ils seront des putains de tueurs et des idolâtres, des pharisiens, des publicains, des blasphémateurs, des collecteurs d'impôts et des tyrans.
et les anges disent « Dieu s'est détourné de l'homme jusqu'à que son fils Jésus-Christ partage son testament. Jésus-Christ s'est détourné de l'homme jusqu'à que son prophète Sullivan Kno partage son testament. Et chaque mot du prophète est vrai, car il est écrit dans ce livre, et ce livre est la vérité. Tu rendras témoignage à ces vérités, et en ceci, tu seras le livre de vie, et tu vivras dans cette vie sainte. Dans cette ville sainte, pardon. Tu diras, Apocalypse, je t'attends, même dans ma souffrance, même dans la mort de mes enfants. Viens, Seigneur, mon Dieu, et donne-moi le paradis. Que la grâce de Dieu et de son prophète Sullivan Kno soit avec vous tous. Amen. Ok. Bon. Faut qu'on sorte de cette putain de mine. À la con. Oh merde! Hérétique! Non! C'est ma caméra, salope! Mes piles! Rends toutes mes piles! Mais genre quoi? Oh non! Je suis baisé! Un peu beaucoup d'hérétiques par ici. Oh mon Dieu! Lynn! Oh merde, elle est là-bas, Lynn! Lynn! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh mon Dieu! Non! Non! Lynn! Val de merde! Mais... Mais Jessica, qu'est-ce que tu fais? Que toi. Arrête! Tu dois me dire! Enlève-toi! Pas avant que tu répondes! Non! Ok, mais tu dois abandonner. Si tu dis que j'ai gagné, je te lâcherai. Ok... Mais tu dois le dire. Ok, ok, c'est tout. Tu m'as eu. T'es une chiffre molle, Blake. Bah personnellement, je préfère ici que là-bas. Bah allez, vas-y. On y va. Attends, j'ai la contrôle en plus. Allez. Hop, demi-tour à droite. On va aller voir le pasteur psychopathe. Attends, si tu m'en veux pas, on va aller voir s'il n'y a pas une pile là-bas. Essaye d'ouvrir la porte, tiens. Attends, recule, Jessica. Recule. Faut que tu recules. Recule. Ah, va pas. Enfin, moi, je peux pas interagir. Ah, ok, ça se fait automatiquement, en fait. C'est elle qui me guide, en fait. Juste avancé, elle me guide automatiquement. Je ne sais pas pourquoi tu fais autant de mystères. Est-ce que Lynn t'a demandé de me le demander? J'ai demandé la première. Alors? J'en sais rien. Faut pas y aller là-bas. La ferme. C'est toi. Je me rappelle de ces couloirs-là et le fameux arbre avec la croix. C'est pas bon. T'as dit de me demander, pas vrai? Peut-être. J'en sais rien. Je voulais juste savoir. Toi aussi, t'es nul. Je sais. Tu sais que là-bas, il y avait des choses bizarres. Une créature... Des choses mauvaises dans ces couloirs, Jessica. Des choses mauvaises. Est-ce que tu vas m'expliquer comment c'est arrivé? Et comment ça se fait quand on est encore au lycée, là? Tu m'expliques... Et pourquoi tout est éteint, Jessica? Il y a pas la lumière qui fonctionne encore? C'est un peu sombre, Jessica. Catholic School.
l'école catholique. Tu crois que tes parents sont rentrés à la maison ? Non. D'habitude, ils rentrent après le dîner. Tu penses que je pourrais venir chez toi ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Mais pourquoi tu veux venir chez moi ? Je sais pas. Tu n'as pas trop le temps, hein, mon ami. Qu'est-ce que tu ne sais pas, Jessica ? Oula. Oh, désolée, nous... Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux ? Je suis désolée, Père Luthermilch. Nous sommes restés après l'école pour la revue. Nous allions partir. Retournons en classe, s'il vous plaît. Mais alors là ? Blake ? Tu n'as pas encore d'ennuis, Blake. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis, quand même ? Oula. Blake, reste avec moi. Ouais, je vais rester avec toi, parce que là, il est un peu pédophile, ce mec-là. Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Vous conduisiez-vous mal ? Dois-je appeler vos parents ? Ouais, appelle mes parents, Jessica, ouais. Est-ce que je dois rappeler non, ton père ? Non, je vous en prie. Je sais pas, Jessica. Je veux Dieu juste pervers. Que nous soyons amis. Ouais, personne non. Personne n'a d'ennui pour le moment. L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut. Jessica ? Jessica, regarde-moi. Veux-tu prier avec moi ? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Hé, hé, hé ! Pas les pattes ! Et si tu rentres chez toi, Blake ? Non. Ai-je interrompu quelque non, chose entre vous ? Non, c'est pas ça. Ouais, espèce de pédophile, là. Alors tu voulais quoi ? Tu ne veux rien dire ? Vous savez, la honte est un don de Dieu pour reconnaître le bien du mal. Oh, la gueule qu'il a, mon gars ! Et ce que tu veux est très mal. Comment ça, ce que je veux est très mal ? Rentre chez toi et prie. Non. Je veux que tu restes. Oui, je vais Blake, rester, s'il oui. Te plaît. Non. Cette situation a assez duré. Non, je me casse Il pas. Il n'y a pas de problème, mais tu dois nous laisser. Non. Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Non. Allez, pars. Non. 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 Mais il va la violer. Et il va la tuer ensuite. Mais... Non, mais c'est... Hey. Non. Pédophile spotted 100% les gars. Non. Putain, elle s'est fait... Oh là là. Bon. Elle s'est fait violer, je pense, et tuer ensuite, quoi. Putain, je suis un lâche. Je suis un putain de lâche, quoi. Bah oui, vas-y, appelle mes parents. Qu'est-ce que t'as, espèce de pédophile de merde avec ta tache sur la gueule, là. Comme quoi que tu t'es fait martyriser dans ton enfance. Mais je me casse comme ça, je la laisse dans la merde. En plus, il n'y a pas d'école, quoi. L'autre, elle rentre en cours. On est le soir et tout, l'autre. J'ai interrompu quelque chose entre vous. Non, mais il est sérieux, l'autre connard. Et je l'ai abandonné comme ça, mais plus. J'arrive ! Connard ! Pédophile ! Il a pendu cette merde. Mais lâchez-moi ! Pitié ! Allez-vous-en ! Connard ! Et comment j'ai pu la laisser là ? Laissez-moi tranquille ! Arrête ! Ah ! Ah ! Non ! Oh ! Tu l'as jeté par-dessus les escaliers ! Je ne sais pas ce que tu as cru voir. Et là, j'ai ma caméra. Oh putain! Mais je me fais violer direct! Oh la vache! Vite! Soin, vite! Ça s'écroule! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Jean et tout ? On oublie tout ça ? Oh merde ! Tout s'écroule ! Merde ! Merde ! Lynn ! Lynn ! T'es enceinte ? Comment peux-tu être enceinte ? Je t'en supplie,
Je veux pas mourir ici. Je veux pas que notre bébé meure ici. Je vais pas. Je les laisserai pas te tuer. Allez, allez, allez. On y va. Est-ce que si c'est la bonne? On doit sortir de là. Pas de démoniste. Attends, j'ai un truc à filmer, excuse-moi. C'est le mec qui s'arrête pour filmer, quoi. Oh l'enculé. Il y a de la lumière bizarre en tout cas là-bas. On est sorti. J'ai fait sortir Jessica. Il faisait froid, mais la neige commençait juste à tomber. On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé. Tout ira bien. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi il dit Jessica? De ses mortes. C'est Jean qu'on a là. Merde. Je pense qu'il faut aller vers la lumière. Je suis pas sûr. C'est quoi ce truc? C'est un soleil? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis désolé, mais je connais pas le chemin. Allez, on court, hein. On se manie un peu le fion. On va passer au-dessus de cet arbre. Allez, saute. Apparemment, non. Commence à faire moche. Allez. Il y a du bruit. Allez, Jess. Oh putain. Mais c'est quoi ça? Je sais pas, je sais pas. On doit trouver un abri. Le plus loin possible d'ici. Ouais. Oh. On est coincé. Passe par là. Il faut marcher sur la souche. Sur la souche. Et merde. Allez, on marche là-dessus. On suit le chemin en terre. À gauche. Je suis pas très serein. Par ici. On doit entrer avant que le bébé arrive. Quoi, t'es... Le bébé? C'est trop dangereux. Tu peux pas. Mais on peut pas rester dehors. Aide-moi. Je t'en supplie. Mais c'est impossible. Ok. Ok. Tu... Fais attention. Merde. Merde. Lynn. Tout va bien? Elle a fait déjà ses 9 mois. Je descends. Ça fait mal. Je suis désolé. Oh putain, mais il y a vraiment un problème, hein. C'est pas normal que t'as déjà un bébé en si peu de temps comme ça. Et de la magie dans l'air. Par ici. Vas-y, allonge-toi. Mais je sais pas comment faire pour accoucher. Ok. Ok. Ça va aller, ma chérie. Oh merde. Merde. Non. Viens. Pas elle. Vite, c'est l'hérétique. Non, c'est la démoniste, la faucheuse. Non, pas elle! J'y crois pas! Oh merde! Seigneur Blake! On n'a pas de chance! Oh, je suis désolé! Merde. Ah 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 non! Je dois m'allonger! Ouais, si tu veux, moi je suis déjà mort en fait! Oh putain, mais non quoi! La faucheuse quoi! Oh non, mais j'y crois pas, quoi. Oh merde! Seigneur Blake! Oh putain, merde! Y'a quelque chose qui va pas! Oui, on est poursuivis! Déjà! Alors on verra le suite ensuite. Oh, ça fait trop mal! Ouais, à mon avis, t'as quelque chose de... Je dois m'allonger! Oui, non! On a pas le temps! Non, mais t'es sérieuse? Là-bas. J'allais m'allonger et tout. Mais... C'est un quoi crever ça. Oh merde. Recule. Dieu, donne-moi ta voix. Dieu, guide ma main. 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 Tu es B.
béni. Salope. Ok. Faucheuse dead. Va te faire foutre. Et ton dieu aussi. T'as tout dit, Jess, t'as tout dit. On y va. Allez. On s'est enfin débarrassé d'elle. Oh, ça fait plaisir. Un chemin. Ouais. Je cherche. Tu m'en veux pas, je connais pas les lieux, il y a de la brume. Ça empire. Je sais, je sais. Dépêche-toi, on va trouver un abri. On a les mines qui sont en train de s'effondrer en dessous. On peut pas dire que c'est le début de l'apocalypse. Non, ici. Je sais même pas, même avec ça, on voit rien. A mon avis, il faut juste suivre le soleil. Bon, du moins, cette lune bizarre. Putain, à mon avis, t'as vraiment le fils de Satan dans le vide, là. C'est chelou. Pour aussi vite que t'as eu l'enfant, comme ça, à mon avis, il faut le donner aux démonistes. Oh, merde. Blake. C'est le bébé. Oui, il va pas tarder. Ah, je sais pas si c'est vraiment un bébé que t'as dans le vide, hein. Tu dois avoir une créature, à mon avis. Là, la chapelle. On peut s'y réfugier. Ouais, mais la chapelle, il y a le Kno, et Kno veut la mort de ton enfant. Attends, il y a une charrette là. Attends, j'ai un truc à filmer, tu m'en veux pas? Non, putain. Ok. Le monde était en feu, le bébé est arrivé. L'enfant improbable. Satan. Lynn disait que Jess était comme sa petite sœur. Je sais pas ce que je suis censé faire. Rien de tout ça n'est ma faute. Ouais, et tu peux rien y faire. Le problème, c'est que là, elle va accoucher, on sait pas de quoi, qu'est-ce qu'elle va accoucher. En fonction, si c'est vraiment le fils de Satan. What the fuck? Si c'est vraiment le fils de Satan, vous vaudrait mieux qu'il meure. Vous vaudrait mieux le donner aux démonistes. Il fait froid. Allez, continue. Oh, Seigneur! Bordel! La tempête empire! Allez, on y monte, on y est presque. Un peu de courage. Viens, Lynn. On doit entrer là-dedans. Pourquoi il appelle Lynn et avant il appelait Jess? C'est bizarre cette histoire. Parce que Jess est bien morte. Ok, tu t'allonges sur le lit. Allez, vas-y. Non? Attends, je mets un peu de lumière. Ok. Ah, c'est un... L'église où j'étais au début. Ils ont enlevé la dame. Alors l'autre, merde, il est resté. Merde, merde, merde. Tu vas accoucher ici. Tu dois t'allonger. J'y arrive pas. Tu peux le faire. Oh Seigneur. Il y a quelque chose qui va pas. Arrête de dire et Seigneur. De respirer. Il y a quelque chose de pas entendu. Normal. Ouais, je sais. Je sais, chérie, je sais. Tu peux le faire, d'accord? Continue de respirer. Oh, merde! Merde! Ah, oh, Seigneur! Oh, mon Dieu! Continue de respirer! Il arrive! Il pousse! Ah, c'est sale. Ah, salut. Lynn? Ça va? Lynn! Meurs pas, reste avec nous! Ton enfant. Il y a rien du tout ici, regarde. Oh mon Dieu. Lynn. Ah, elle a pas survécu. Lynn. Quelle merde. Tu l'as pas encore embrassé? Quoi? Comme dans La Belle et la Bête?
Oh, l'histoire. La pièce de théâtre. On garde ça pour le jour J. C'est vrai. Ok. On se fait la bise. Comme ça, c'est ta copine? Dis-le-moi, sinon... Sinon quoi? Elle est amoureuse de moi, en fait. Arrête ça. Bah bon, elle a pas survécu assez longtemps. Je t'ai encore eu. Knur. C'est l'enfant, n'est-ce pas? Monseigneur. La fin approche. L'enfant est déjà trop fort. Vous avez assassiné le paradis. Range ton couteau, salopard. Dieu est silencieux. Depuis la tempête, la naissance. Devant Dieu lui-même et tous ses anges, je l'ai haï. J'ai haï le Seigneur, notre Dieu. J'ai tué mes enfants, chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. Il n'y a pas de foi plus parfaite. Et Dieu est toujours silencieux. Tue cet enfant si tu le peux. Si tu as quelque amour que ce soit, écrase son crâne sous ta botte. Je sais que Dieu n'entend pas les morts. Mais j'attends de lui qu'il leur réponde. Fuck. Fais chier. On a perdu Lynn. Kno est mort. Le Val en sait rien. Le problème c'est que... Fais chier, je sais pas quoi croire en fait. Le problème c'est que j'ai peur que c'est vraiment Satan en fait, le fils de Satan. Le gamin. Elle, c'est impossible qu'elle a eu ses 9 mois en espace de si peu de temps et d'avoir un enfant parfait comme ça. Lui, il sait que c'est le... que si l'enfant naît, lui, il était foutu. Parce que c'était sa... on va dire sa... la fin de son règne, disons. Et l'enfant, vu qu'il est né, ben lui, il avait plus rien à perdre. Donc il s'est flingué. Donc Kno est mort. Que croire? Mais je pourrais pas tuer l'enfant. Oh, putain, c'est trop chaud, quoi. Mais c'est une abomination, l'enfant. Il y a rien à dire. Hein. Là, il fait l'enfant, l'enfant parfait, mais peut-être que c'est toi, en fait. Le Wallrider, en fait. Qui sait? Mais je pourrais pas le tuer, quoi. Je peux pas le offrir au Val. Le Val, ça, ils vont faire leur divinité oui, chelou, là, aux hérétiques. Bon, ben, on a l'enfant. C'est très compliqué, cette histoire. Et vu que je sais pas encore qu'est-ce que c'est, si c'est réellement le fils du diable. Mais vu avec tout ce qu'on a eu, les phénomènes, le déboulement, tous les signes de l'apocalypse, hein, finalement, on vient de les avoir, là. Les croix qui s'envolent. Si tout est vrai, c'est le début de la fin. Et vous, chers démonistes, vous êtes morts pour éviter de voir cet enfant naître.
Non mais c'est l'apocalypse. Merde. Bon, on se montre en menterre. Tout le monde est mort. Ah, je suis persuadé d'avoir vraiment le fils du diable en fait dans... Tout ira bien pour elle. Elle est avec toi. Elle va pouvoir grandir. Elle va faire tout ce qu'elle est née pour faire. Ouais, mais c'est pas bon du tout. Si tu penses que l'enfant va t'apporter du bien, mon gars, détrompe-toi. C'est pas parce que c'est tout ce que tu en sors depuis... Merde. On se retrouve dans le lycée. Passer des choses affreuses, Jessica. Je suis ici. Possible. J'arrive. Oh putain. Par ici, Blake. On a tout perdu, les gars. C'est what the fuck. Il y a rien de rationnel là. Là, on part vraiment dans des what the fuck divinités. Je pensais que c'était que des malades mentales qui vénéraient du what the fuck, mais en fait, leur putain de prophétie est réelle, quoi. Ou alors, c'est moi qui me suis fait des films. Yes. Ne t'inquiète pas. Jamais je ne te quitterai. Jamais tu ne m'as quitté. Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour plus humble et ainsi vivre dans ton amour. Outlast 2 terminé. Eh ben putain, ça va être des emmerdes, hein. La naissance de l'enfant et l'arrivée de Satan. Après, peut-être j'ai des conneries, hein. J'ai peut-être des grosses salades. Si j'ai bien tout compris, la lumière qu'on voyait depuis le début était le signe de l'apocalypse qui arrivait. La lumière de Dieu, quoi. Tout simplement. Qui illuminait et qui faisait mal à tous les démonistes, en fait. C'était que les démonistes qui étaient touchés par cette lumière, apparemment. Et moi aussi. Et l'arrivée du démon est née. On ne saura pas vraiment l'intrigue de qui est l'enfant, du coup. On sait juste que, d'après les documents, d'après tout ce qu'on aurait pu lire, l'enfant est le fils de Satan. L'arrivée de l'équilibre, on va dire, de... Tout normalement, c'était tout ce qui était juste était fait par tous ces démonistes à la con. Et en fait, l'arrivée de ces enfants bénerait la fin du monde, quoi, littéralement. J'ai détruit le notre Seigneur, quoi. Et là, on va dire, avec son arrivée, c'était le début de l'apocalypse, quoi, littéralement. C'est pour ça que tous les putains de fous, là, ils arrêtaient pas de tuer tous les enfants qui pouvaient naître. Car ils savaient que chaque enfant qui naissait était prétendu l'enfant du diable. Et là, c'était le tout premier enfant qui est arrivé à voir le jour. Du coup, Jessica s'est fait tuer par un putain de pédophile. Donc moi, je la voyais sous une créature démoniaque. Le Val et toute cette bande d'hérétiques ont finalement eu ce qu'ils voulaient, son arrivée. Et voilà.
En tout cas, à mon avis, il doit y avoir des choses que j'ai dû louper, sûrement. Peut-être que je dis pas... C'est peut-être pas tout vrai. Faut que je regarde sur Internet vraiment la vraie chose qui s'est passée. Parce que c'est pas facile à comprendre. Hein. Il y a vraiment cette sous-histoire cachée dans les écritures et tout, qui met des points de clé sur ce qui se passe. On vous explique pas tout, comme la lumière, etc. Il faut vraiment que vous faites une propre opinion. Ou alors, il y a... Si vous... Peut-être que c'est bien écrit. Ou qu'il vous explique réellement... Moi, personnellement, la seule chose qui me faisait penser que c'était en rapport vraiment à une lumière divine, c'était au moment qu'on voyait l'arbre avec la croix. Pour moi, c'est à ce moment-là le petit détail qu'on a vu la lumière. Voilà. Bon, vu qu'il y a un peu de temps, on va rester... Hop, moi je vais faire un retour window. Je vais regarder vite fait sur internet tant qu'on est là, hein, parce que normalement le live devait finir vers 18h. On va regarder vite fait qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire, comme ça au moins on se met tous d'accord. C'est vraiment, on a bien compris. Explication. Alors. On va aller voir ça. Hein. Alors, blablabla, fin ça, consulter ce topic. Alors, waouh, il y a du sacré texte. Ok, bon, on va avoir du texte à lire, hein, attention. Alors, on commence déjà par le résumé de la situation au début du jeu. On joue donc Blake, Langerman, un journaliste qui, avec sa femme Lynn, enquête sur la mort mystérieuse d'une femme, d'une jeune femme, Jane Doe. Donc la femme qui était sortie avec le bide de l'enfant, soi-disant, et qui finalement est morte. Elle était enceinte et morte. Donc voilà. Dans le désert d'Arizona, la jeune fille a été retrouvée avec une quantité impressionnante de mercure dans le corps et était enceinte. Blake est dès le début du jeu tourné par des rêves dans lesquels il revoit Jessica, une amie d'enfance, ce qui nous amène à expliquer le premier point flou du jeu, les visions. On comprendra rapidement dans la suite du jeu que Jessica s'est suicidée, poussée à bout par son père. Donc on sait que finalement, non, elle s'est fait flinguer par ce putain de psychopathe. Puis la battait, et par le harcèlement sexuel du prêtre du lycée, ou Blake. Lynn et elle-même allaient tous en cours. Blake est traumatisé par la mort de Jessica. En partie, qu'ils étaient présents au lycée un soir où le prêtre l'a violée, mais il n'a rien pu faire. À la demande du prêtre, il était sur le point de rentrer chez lui, mais lorsqu'il a rebouché ses mains, en entendant les cris de Jessica, il était trop tard. Le reporter est donc rongé par la culpabilité, ce qui explique le caractère horrifique des nombreuses visions se déroulant dans ses anciennes écoles le soir où Jessica a été violée. À chacune de ces visions, Harry entend les cris de son ami, et est fréquemment confronté à une sorte de démon qui représente en réalité le prêtre. Ça c'est bon, ça c'était tout quoi à comprendre. Voilà pour les visions. Maintenant, on peut s'intéresser au second point clé de l'histoire. Temple Gate, la ville où se déroule le jeu et ses charmants habitants. Salut Deb. Deb, là je suis en train de faire le résumé, parce que là on vient de finir le jeu. Je suis en train de conclure l'histoire. Donc si tu veux pas être spoilé et voir la fin du jeu et tout, je te conseille de regarder la vidéo depuis le début. Voilà, je te dis ça avant que je continue. Comme ça au moins, au plaisir de te revoir en rediffusion. Alors attention, je vais continuer dans la partie spoil. Rapidement, donc l'hélicoptère de nos héros se crache près de cette joyeuse bourbade. Ils apparaissent rapidement que celle-ci est peuplée de fantastiques religieux, menés par Sullivan Kno, Papa Kno pour les intimes. Sullivan est une sorte de gourou qui se représente comme un nouveau prophète et s'en tire avec un joli bénéfice, puisqu'il a des relations intimes avec à peu près tous les membres féminins de son culte. Il ordonne également à ses fidèles d'exécuter tous les enfants qui pourraient résulter de ces unions. Papa Kno, ok, d'accord. Papa Kno, bon, sous prétexte que Dieu lui annonça que l'un de ses enfants... C'est ça que c'est sur le menu. Ouais, c'est pour ça. Exactement. Alors, attends.
sous prétexte que Dieu lui annonçait que l'un de ses enfants serait l'Antichrist porteur de l'Apocalypse. Ok. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que c'est assez subtil, mais tous ces gens sont complètement fous. Bon, on l'avait remarqué. Et eux-mêmes s'en rendent compte. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on découvre des documents écrits par des membres de la secte, qui disent « subir des rêves étranges, se réveiller avec une puissance envie de sexe, une sorte d'érection matinale de super saiyan, et apercevoir fréquemment de puissants éclats de lumière blanche que nos héros va lui aussi expérimenter à travers le jeu. » C'est là qu'on arrive au point intéressant du jeu. Toute cette folie des habitants est en fait le résultat d'une expérience de Murkoff, les antagonistes du jeu précédent. Ok, ouais. Dans l'asile de fou, ok. En effet, ceux-ci sont installés à proximité des Temple Gate, une immense tour que l'on aperçoit à plusieurs reprises. Oui, ça, on l'avait vu, ça. Là où je voyais la lumière en sortir, en fait. Cette dernière est en réalité un puissant émetteur d'ondes psychiques. Ok. Ouais, on avait vu que ça crée comme une onde, en fait. Mais ça faisait une lumière, c'était bien bizarre. Le même qui était utilisé sur les patients de l'asile, de Monde Massif, et que l'on aperçoit notamment au début de Whistleblower. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est bon, je vois ce que c'est. Souvenez-vous, quand on était le scientifique, on commençait à mettre les sujets et tout, à un moment donné, ça commence à partir en couille, et il y a eu une espèce d'explosion, toute cette putain de boule de magnétique. Avec le Warwilder, en fait, était à travers cette histoire. En fait. Templegate n'est pas autre qu'un test à grande échelle, pour étudier l'effet de la machine sur l'être humain. Cette information apparaît dans plusieurs documents laissés par des scientifiques du Murkoff dans le jeu. On n'a pas dû faire gaffe à ça. Et qui mentionnait tous les symptômes ressentis par les habitants de Temple Gate. Okay. Mais aussi et surtout dans les comics Murkoff Fondation. Et qu'il est possible de lire sur les sites de Red Barrel. Ok. Red Barrel qui est les devs. Hein. Donc il faut regarder carrément sur leur truc, je pense. En réalité, Sullivan et tous ses fidèles avaient beau être des fantastiques religieux à l'origine, c'est la tour de Murkoff qui là a fait définitivement basculer dans la folie, à croire à cette histoire d'apocalypse et d'antichrist, les uns les fidèles et Kno. Le Kno voulait l'empêcher d'arriver et les autres, les hérétiques, qui embrassaient totalement le plaisir procuré par leur folie, voulaient au contraire en faire leur roi. Ça on avait compris. L'antichrist, etc. Les grands éclats de lumière que l'on subit régulièrement au cours du jeu sont en fait les ondes émises par l'installation de Murkoff. Et ce sont eux qui sont à l'origine des visions de notre personnage, mais aussi du reste de sa folie. Ok. Donc au final, on avait compris ça. Que, en fait, je pensais que. Bah, en fait, moi je pensais que c'était une lumière divine, c'était pas facile à expliquer, genre ça venait de Dieu, l'apocalypse et tout, mais en fait, c'est bien l'origine de ce qu'il faisait dans le 1 avec tout le bordel. Ok, donc en gros, c'est pas un truc surnaturel que j'aurais pu penser, c'était vraiment fait par l'homme, quoi. Et qui envoie cette putain de rayon qui les rend complètement what the fuck, les mecs. Ok, bon, c'est beaucoup plus compréhensible, mais c'est après la suite que j'ai du mal à croire. Attends, on va lire la suite. Parce que oui, le héros Blake Langerman, comme les habitants de Temple Gate, et même sa femme Lynn, est fou. Ou du moins, ils le deviennent à cause de la machine de Murkoff, à laquelle il est exposé pendant tout le jeu. C'est à cause d'elle que ses visions deviennent de plus en plus fréquentes et plus dérangées, et qu'il y a fréquemment sa vue troublée. Et comme les autres habitants du coin, ils en arrivent à croire à l'ultime mensonge de Kno, l'Antichrist, ce qui nous amène à résoudre l'une des plus grosses énigmes du jeu. Ah oui, finalement, on finissait par y croire, hein. Ça devient de plus en what the fuck, de plus en plus. Ouais, c'était... si tu t'en souviens, dans le 1, même dans le... On voit plus ça dans le Whistleblower, dans le DLC du 1, quand on est dans l'espèce de labo avec tous les scientifiques, et finalement, on envoie une espèce de rayon, en fait, sur les gens, on fait des tests, et ça les rend complètement barjour, en fait. Et après, bon, l'histoire du Warrider n'est pas encore située dedans, je pense qu'il n'est pas en avoir... Je pense que c'est une création qu'ils ont fait dans le 1, qui n'est pas dans le 2, mais c'est la machine, quoi. De l'organisation, quoi. Et en gros, ils font des tests sur l'île, en fait. Et nous, on est en plein milieu, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu accéder à cette putain de tour, et qu'on a fini dans les mines, quoi. Dommage, on aurait dû plus aller vers la tour, on aurait pu se tuer, quoi. Ce qui amène à résoudre le plus grand ennemi du jeu, The Baby is the Life. Okay. Il n'a pas de bébé,
Comme il a dit Blake lui-même, c'est impossible, il n'a pas eu de rapport sexuel avec Lynn depuis longtemps pour cela. Pourtant, Lynn est enceinte, oui. Comment est-ce possible? Une immaculée conception? Trop d'hamburgers à midi? Tu vois, le mec, il troll, quoi. Eh bien non. Cela a tout simplement lieu parce que qu'entre autres effets de la machine de Murkoff, elle inflige aux femmes des grossesses psychosomatiques. Putain, bah ouais, c'est complètement what the fuck. Mais ça, on pouvait pas savoir. À part, peut-être il y avait des trucs dans le bouquin, j'ai pas dû faire gaffe, mais... Waouh, ils arrivent à dépliquer une grossesse à la vitesse de la lumière, quoi. Ils sont... Ouais, c'est des oufs, hein. D'où l'absence de femmes dans le premier Outlast. Ok. Pour ceux qui ignorent de quoi il s'agit, en résumé, la grossesse psychosomatique est un phénomène par lequel le corps d'une femme réagit exactement comme si elle était enceinte en quelques jours, voire quelques heures. Le vent s'arrondit, les tractions se font ressentir, sauf que tout ça est un effet psychologique. Il n'y a en réalité pas de bébé. Donc en fait, j'étais fou, en fait, j'imaginais, tout ce que j'ai vu à la fin, c'était de mon imagination. De tenir l'enfant et tout. Waouh. Ce qui arrive à Lynn est après son accouchement. Elle se rend elle-même compte pas que quelque chose ne tourne pas rond, puisque ses derniers mots sont « il n'y a rien ». C'est vrai, ça, j'avais fait gaffe. Mais je pensais qu'elle devenait folle, en fait. Le bébé que tient Blake est en fait une énième hallucination de notre héros, comme tous les autres habitants de la ville, trompés par la fausse grossesse de Lynn, et par les semons et par les serments de Sullivan sur l'Antichrist. Et c'est d'ailleurs parce que le bébé n'est qu'une hallucination que Sullivan se dit incapable de le tuer. Bah oui. Le jeu s'achève sur une dernière vision durant laquelle Blake prie Jésus avec Jessica. Ouais, ça en avait fait. Cette vision de fin est la clé de la synthèse du jeu. À savoir que la frontière entre religion et superstition et folie est extrêmement mince. Dans tout le jeu, il y a une ambiguïté sur ce qu'on voit sur notre personnage. Puits de sang, tentacule spectre de son passé sont des résultats de sa folie. C'est vrai, c'est vrai. Ou bien, quand l'affirme Kno, une manifestation de la colère divine. Le but est en fait de rendre le joueur tout à fait confus, que Blake ait ainsi de lui montrer à quel point il est aisé de confondre les vues de son esprit avec des manifestations divines ou infernales. Même les grands éclats de lumière blanche émis par la tour rappellent étrangement l'ouverture dans la fracas des trompettes des anges, des sept sceaux de l'Apocalypse décrites par la Bible. Il faudra compter s'il y en a bien sept de ces éclats de lumière dans le jeu. On n'a pas fait gaffe. On amène à nous faire croire qu'il s'agit bien de l'Apocalypse, qu'il est en question. Finalement, je me suis bien pris au jeu. J'ai pensé finalement qu'à la fin, c'était vraiment l'Apocalypse. Je me suis dit, ça y est, c'est l'enfant du diable et tout, c'est fini, quoi. Mais en fait, non. En fait, si vous voulez, si vous jouez pas, hein, si vous jouez même pas à son DLC, c'est impossible de comprendre. Même en lisant ça, c'est pas possible, en fait. Savoir l'organisation, etc., le Murkoff, machin, entreprise... Finalement, ça, vous pouvez pas le savoir, c'est vraiment vous jouez pas au 1. Et finalement, vous vous prêtez au jeu, et pour vous, à la fin, vous pensez vraiment que c'est l'Apocalypse. Parce que, ouais, il fallait vraiment voir la différence avec le 1. Mais le problème, c'est que, jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment cette différence entre les deux. J'ai pas fait gaffe qu'en fait, il y avait Murkoff, etc., l'entreprise, en fait. Moi, jusqu'à présent, c'était les chapitres de à chaque fois qu'ils parlaient entre eux. Il y avait pas trop de détails avec Murkoff, quoi. C'était plus des avis personnels de chacun. Donc, j'ai pas fait gaffe, en fait, qu'ils parlaient de l'organisation, en fait. Et c'est vrai que la seule chose que j'ai capté, c'est qu'il y avait vraiment une espèce de tour, ça j'ai fait gaffe. Et je me suis dit, c'est là-bas que ça vient, ce rayon. Mais vu qu'on n'est pas y allé une seule fois, bah, pour moi, au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, finalement, c'est un truc de Dieu, quoi. c'est l'Apocalypse. Bref, en réalité, il s'agit de mon interprétation personnelle. Outlast 2 est un jeu terriblement critique vis-à-vis de la religion, qui appelle les joueurs sinon à la rejeter totalement, du moins à s'en méfier, pour ne pas... passer de la religion douce, telle qu'elle est montée, elle est montrée par la prière de Jessica à la fin, à la religion fantastique et brutale pratique par le prêtre du lycée Gnon. Et même par la même occasion, c'est la preuve qu'un jeu vidéo d'horreur peut être violent, effrayant, et pourtant être porteur d'un message profond et magnifiquement subtil. Ok. Bon ben voilà. En gros le résumé. Donc le rayon, c'était la putain d'organisation. Et j'avais pas fait cette allusion en fait à Oxoblower dans l'espèce de machine. J'avais oublié, tu vois, ce détail-là qui aurait pu me donner la puce à l'oreille. J'avais oublié qu'en fait c'était des ondes. Parce que jusqu'à présent on avait simplement vu que ça tournait mal, qu'ils avaient envie de lancer un truc.
Et finalement, ça a fait venir le Wild Rider dans le délire. Qui prenait le corps de la personne qui l'a possédé pour faire. Pour tourner le cerveau de tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'il apparaissait n'importe comment. Et c'était un flux magnétique. Et c'est pour ça que tout le monde était touché par ça. Et c'est ça qui rendait le personnage fou, en fait. Putain, ouais, tout s'explique. Franchement, quand vous lisez ça, c'est bon, après c'est tout clair, quoi. Vous avez tout compris, quoi. Oh, putain. Ouais, là, avec ça, vous avez tout compris, quoi. Voilà. Bah, Outlast 2, la fin. Et bah, finalement, entre Outlast 1 et Outlast 2, Outlast 2 était super sympa. Franchement, j'ai kiffé. L'ambiance et tout est extrêmement bien foutu. J'ai kiffé. Franchement, s'il y a même un DLC sur Outlast 2, c'est clair que je le ferai, hein. Ça vous inquiétez pas. Après, j'ai hâte qu'il y en ait un qui sorte, parce que franchement, c'est un jeu extra. De savoir, peut-être incarner quelqu'un qui était dans la fameuse tour où on envoie les ondes. Qui sait? Et qu'il se passe une couille là-bas, je sais pas, il y a moyen de créer quelque chose. Pour qu'on comprenne qu'est-ce qui était derrière ça, en fait, comme Whistleblower, qui nous permettait de comprendre le début, en fait. Avant que l'asile commence à devenir what the fuck. Voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire, un truc sympa à faire, et j'espère qu'ils le feront. Si c'est pas le cas, on verra sur un Outlast 3, écoutez. Mais c'est sympa. C'est pas pareil, je peux pas comparer les deux jeux, ça se ressemble, ça se ressemble beaucoup. C'est toujours la même organisation qui est derrière tout ça, ils ont pris ça, cette idée-là. Moi j'aurais bien aimé revoir le Wild Rider, c'était quand même l'ennemi principal de Outlast 1. Alors que là, il n'y est pas, il n'existe pas, ici, en tout cas. Il n'est pas de ce côté-là. Il n'a pas été créé, disons. C'est plus une histoire que c'est les humains eux-mêmes qui ont envoyé cette espèce de choses cheloues. En tout cas, je me suis porté au jeu. J'ai fini par finalement croire à ce putain d'apocalypse. Hein, parce que finalement, à la fin, quand vous voyez tout ce qui se passe, l'enfant et tout, au bout d'un moment, vous pétez un câble. Hein, vous dites, putain, finalement, c'est vrai, c'est l'apocalypse, c'est le bordel, what the fuck, tout s'éclate, les mines qui s'effondrent et tout. Ouais, c'est bon, quoi, c'est la fin du monde. Et en fait, non. Je me faisais juste un film. Alors moi, au bout d'un moment, je me disais, il faut tuer l'enfant, c'est l'enfant du démon, c'est pas possible, on peut pas le laisser vivre. Voilà, et tout le monde est mort. Ah, sauf nous. Nous, on n'est pas mort. Au moins, ça va pas tarder. Parce que là, on sortira pas de la vivant. On est devenu fou, là. Là, on va venir l'un d'eux. Hein. On va devenir aussi fou qu'eux. Hein. Comme je vois tous ces cadavres et tout, en fait, non, c'est dans mon imagination. Il y avait rien de tout ça, quoi. Bref, voilà. En tout cas, ce qui met fin à notre Play Through sur Outlast 2, un jeu que j'avais attendu longtemps et qui m'a pas déçu. Les deux sont bien. Franchement, pour ceux qui aiment les jeux d'horreur, je vous conseille les deux jeux. Les deux jeux sont hyper bien. Ils ont chacun leurs propres histoires, leur propre environnement, leur propre niveau clock, chacun dans une ambiance différente. Et franchement, c'est super sympa. Moi personnellement, j'aimais bien le côté asile, côté psychopathe enfermé, l'envie de fuir, de sortir de là. Et là, la liberté d'être dans un monde plus ouvert et de voir tout ce qui se passe dans cette zone, dans la zone entre les hérétiques, les démonistes, essayer de comprendre la différence entre les deux, qui sont les mieux, qui sont les pires. Et en fait, il s'avère que on était tous manipulés, et en fait, que ce soit dans un groupe ou dans un autre, on avait des hallucinations et voilà. Et on s'imaginait des trucs. Mais les horreurs qu'on créait se faisaient vraiment. Voilà. Mais sous une idéo complètement fake. Voilà. Donc le prochain jeu, évidemment, c'est The Evil Within. On va commencer par le 1, et ensuite on continuera sur le 2. Directement, on fera un truc défilé. Et en même temps, la saison RP sur Miscritic continue. Actuellement, il y a deux épisodes faits actuellement. On va continuer à les faire, on n'a pas fini. Et en même temps, on continuera sur le jeu d'horreur. Comme ça, vous aurez deux styles de jeux différents. Un jeu post-apo, de l'autre côté, un jeu horreur. Voilà, sur ce, je remercie pour ceux qui auront suivi lors de cet épisode, je remercie pour ceux qui auront peut-être follow lors de cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, vous verrez tous les épisodes en rediffusion, vous les aurez également sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien, c'était Amigo. Peace !